Alors, le Conseil d'État avait considéré que le système de caisse enregistreuse n'était pas illégal et n'avait pas annulé l'arrêté royal, tout en précisant, et c'était une information extrêmement pertinente, de dire qu'il ne s'agissait ni d'un nouvel impôt, ni d'une présomption de fraude. Ça, c'était un premier point. Le deuxième débat qui a eu lieu, c'était de savoir si les amendes étaient légales en tant que telles, les amendes qui étaient données par le service public fédéral en cas de non-détention ou de non-activation du système de caisse enregistreuse. Et là, le Conseil d'État vient de prononcer un arrêt où il indique qu'en réalité, ce n'est pas à lui à se prononcer sur la légalité du système de caisse enregistreuse, mais qu'il appartiendra au tribunal qui tranchera de la légalité de l'amende qui aura été contestée, de poser toutes ces questions et de vérifier si cet arrêté royal est légal ou pas. De sorte qu'on en est à la première phase, maintenant il y aura la deuxième devant les tribunaux pour ceux qui ont introduit des recours contre les amendes. La question de la légalité se reposera devant ces tribunaux.